Contact des fins le mardi 12 février 2019 avec Marie, je vais dire Marie. D'accord. C'est pour qui c'est, ah, enfin, c'est pour qui? Pourquoi on me dit c'est pour qui? D'accord. Je voulais dire, c'est qui pour vous? C'est votre grand-mère, Marie? Non. Votre maman? C'est votre maman alors? Non, non, c'est ma belle-mère. C'est votre belle-mère? Ah, c'est pourquoi? D'accord. C'est pour ça que ma langue a... Hein? D'accord. Ok. Il y a un prénom qui commence par Antoinette. Ça vous dit quelque chose? Antoinette. Antoinette. Non, non, non. D'accord. Alors, je vais revenir au début, hein, parce que par rapport à ce que je ressens par rapport à cette personne. Hein, d'accord. J'ai l'impression que c'est... Alors, cette personne a été malade. On est en train de me dire qu'elle a été malade. D'accord. Ça, c'est mon guide qui me parle. Hein. Il y avait aussi quelqu'un, on me dit aussi, c'est quelqu'un qui parlait, qui priait beaucoup Marie aussi. D'accord ? Oui. Alors, hein. Elle est partie en 2017, Marie ? Non, non, non. D'accord. Non. Donnez-moi son prénom, s'il vous plaît. Angelina. Angelina. Allez, je vais marquer. D'accord. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ange dans la famille? Pas dans cette famille-là. Non. Pas dans cette famille? Chez moi, oui, mais pas chez mes beaux-parents. Moi. D'accord, mais comme c'est vous qui faites la demande, donc voilà, hein, et on me dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ange dans la famille. Vous êtes reliés de toute façon, hein, par la belle-mère, vous êtes reliés. D'accord, d'accord. Pourquoi on parle de 2012 aussi? Vous ne savez pas? Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle a quand même du mal à, je veux dire, du mal à s'intégrer, à venir. J'ai eu un coup de fatigue avec elle, comme si elle était, je veux dire, alors, expliquez-moi pourquoi elle m'a, voilà. Vous savez, quelqu'un de fatigué, de très fatigué, quelqu'un qui a beaucoup donné d'elle, et je vois quelqu'un de très très fatigué, d'accord ? On a l'impression qu'il y a eu plusieurs enfants aussi, qu'elle a été fatiguée de je veux dire, de sa vie, en fait. D'accord ? Oui, ça, c'est sûr. Hein? Oui. Voilà, elle me montre ça, on me montre ça par rapport à elle. On me montre 1902. Ça a une correspondance avec vous, 1902 ? Attendez voir. 1902. Je ne sais pas si c'est peut-être sa date de naissance, je sais. Non, non, 1922, c'est. D'accord. Non, 1902, non. Elle est née en 1922, c'est ça? C'est ce que oui. Vous voulez dire? D'accord. On a l'impression que cette personne est partie avec confuse. Vous voyez, avec des confusions au niveau, je veux dire. C'est pas qu'elle n'avait pas toute sa tête, mais on a l'impression qu'elle oublie des choses, qu'elle est partie avec des oublis, d'accord, hein? Elle oubliait okay. Certaines choses, mais une perte de mémoire sur certaines choses, d'accord, hein? Okay. Et elle me montre, d'accord, et elle me montre qu'elle a été très 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 fatiguée en fait, d'accord, déjà par rapport à sa vie, mais aussi on a l'impression qu'elle est toujours en train de bouger, toujours en train de travailler, toujours en train de faire quelque chose, d'accord. Si c'est pas l'extérieur, ben c'est les enfants, c'est pas les enfants, il y a toujours quelque chose à faire, hein. Elle a jamais pris vraiment de temps pour elle, pour se poser, on me dit, d'accord, sauf en fin de vie, parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, d'accord, oui. Hein, parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Pourquoi elle est toujours habillée en noir? Elle a perdu des gens avant dans sa famille, et du coup, ça a été très dur. Vous voyez, on montre quelqu'un qui était toujours... Hein, Angelina, c'était quelqu'un qui était quand même... comment dire... fermé dans ses histoires, d'accord, hein? Enfermé dans ses histoires, hein. C'est la maman de votre mari, c'est ça, Marie? D'accord. D'accord. Vous venez chercher des réponses aussi par rapport à elle. Hein? Vous venez chercher des réponses par rapport à votre mari aussi. Hein? Elle est en train de me dire ça. Hein? Parce qu'il y a des choses qui ne vous a pas dit. Ou qui ne, voilà. Et il y a des réponses à venir chercher vis-à-vis. Elle me dit, pose tes questions, ma fille, elle dit.
D'accord. Hein, parce qu'elle sait qu'elle est là. Hein, d'accord. On a l'impression aussi, Marie, que Marie, avec elle, les choses n'ont pas été forcément faciles. D'accord. Hein, on me dit aussi que les choses n'ont pas été forcément faciles. Et elle regrette, elle me dit. D'accord. Vous avez un fort caractère, mais elle sait que vous avez un grand cœur derrière. D'accord. D'accord. Et elle a un fort caractère, mais elle est têtue, elle me dit. Elle était de... Vous voyez? Et c'est pour ça qu'avec elle, c'est lourd pour moi, vous voyez? Je veux dire, elle cherche toujours le meilleur, mais elle n'a pas forcément éduqué, je dirais, ses enfants. C'est pas qu'elle n'a pas éduqué. Ça a été à la dure, en fait. Il y a une éducation à la dure, tout à la dure. Hein? Comme si elle avait aussi des devoirs vis-à-vis du mari de faire attention aux enfants et d'avoir une certaine dureté. Hein? Elle m'a dit, chez nous, on était... comme ça, hein. Elle a eu du mal, elle me dit, d'accord, elle me dit qu'elle a eu du mal par rapport à l'autre côté, même si elle priait beaucoup et tout ça, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été, je veux dire, elle a eu beaucoup de remords, elle me dit. D'accord, hein, beaucoup de remords. Et puis aussi par rapport à vous, hein, elle est même surprise, d'accord, elle me dit, je suis surprise de ce contact. Vous voyez ? C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas connue. D'accord, fait. D'accord. C'est pour ça que peut-être elle est surprise du contact. Moi, je ne l'ai pas connue. D'accord. D'accord. Elle est en train de me dire que... Comment dire? D'accord. Vous savez, elle me dit pour son fils, elle aurait... comment dire? Alors, je vais être sincère avec vous, hein, d'accord, Marie, oui. Hein, elle pensait que quelqu'un de truc serait mieux pour son fils. Hein, voilà. Mais en fait, elle se rend compte qu'elle a eu tort. Hein, et elle s'est têtue, elle est restée têtue. Elle me dit, d'accord, qu'elle n'est pas montée directement à la lumière. Hein, elle est restée sur un plan où on vivait encore sur la terre, où on travaillait, où on élevait. Vous voyez, répétition, elle me dit. Hein, et elle me dit, pourtant, j'ai prié beaucoup, je faisais... mais je, à côté, tout ce que je faisais, ce n'était pas forcément, je veux dire, sur un droit chemin, elle me dit. D'accord, hein. C'est pas quelqu'un de mauvais, Marie, d'accord? C'est pas quelqu'un de... Mais elle, on dirait qu'elle s'est punie elle-même aussi, d'accord? Vous voyez que des fois, il y a des gens qui vont faire énormément de bien et ils ont toujours l'impression de ne pas avoir fait assez. D'accord? Et donc, elle se punit elle-même, voilà. Et pour elle, elle ne méritait pas forcément quelque chose de mieux, vous voyez? Hein, on l'a élevé comme ça aussi, hein, le travail, la labeur, les enfants, la maison, c'est quelqu'un qui, oh, elle range, hein, et ça range, d'accord, c'est quelqu'un qui lave, et ça lave, elle me dit, qu'est-ce que j'ai lavé, elle me dit, qu'est-ce que j'ai lavé, d'accord, hein. Alors, je sais pas si elle faisait du ménage chez d'autres personnes, si elle avait du linge pour des personnes, mais voilà, elle me montre des choses qu'elle a fait et qu'elle s'est fatiguée. Et elle est partie fatiguée, elle me dit, Angelina. Oui. Hein, Angelina, d'accord, elle me dit qu'elle est partie fatiguée. Ouais, elle tient toujours ses mains comme ça, vous voyez? Elle est toujours en train de faire comme ça, elle tient ses mains. Posez vos questions parce qu'elle sait que vous avez des questions à lui poser et elle va essayer d'y répondre comme elle peut, elle me dit. Mais moi, déjà, je voudrais savoir pourquoi son fils, il a ce mal-être depuis toujours, en fait. Il a un mal-être, je voulais savoir si elle savait pourquoi. D'accord. Elle est en train de me dire parce que on les a élevés. Je veux dire, d'accord. Elle me dit par rapport à son mari, elle avait des obligations. Je veux dire, par rapport au père, d'être un peu plus exigeante pour pas que les enfants se fassent plus punir. D'accord. Mais elle n'a pas été une mère. Je veux dire, elle me dit moi, du moment qu'il mangeait, qu'il avait un toit sur la tête et tout ça, l'affection, c'était pas forcément montré. D'accord. Elle dit que l'affection n'était pas forcément montrée. Hein, on ne montrait pas l'affection.
pas comme aujourd'hui, elle dit où vous arrivez à vous dire je t'aime, ou vous arrivez à vous dire tu aimes, ou elle dit même tu sais prendre ta fille. Vous avez une fille, Marie ? Oui. Hein, elle me dit tu sais prendre ta fille dans tes bras, tu sais consoler, et voilà. Moi, je ne savais pas faire ça, elle dit. D'accord ? Elle dit moi, je ne savais pas faire ça. Elle dit, il m'en a fallu du temps, elle me dit, il m'en a fallu du temps pour monter la pente, pour la monter la pente. Alors j'ai l'impression que 2017, c'est, il y a 2 ans, elle me monte 2 ans, c'est l'année où elle a vraiment pris conscience qu'il fallait qu'elle passe sur un plan élevé, un plan élevé, elle me dit, d'accord ? Pour prendre pour pouvoir évoluer et avancer, elle me dit. D'accord. Il n'y a pas de temps de l'autre côté, donc ce qui paraît peut-être une dizaine d'années pour nous, ou même 15 ans, d'accord. Pour eux, c'est même 20 ans, pour eux, c'est un laps de temps, ça peut être 20 minutes. Vous comprenez voilà, hein? Oui. Ou 20 jours, voilà. C'est pas la même chose que nous. Hein? D'accord, elle me dit qu'il y a 2 ans, voilà, pour moi 2017, voilà, elle me dit qu'elle a eu pris une prise de conscience aussi par rapport à ça. Hein? Et elle a accepté, en fait, elle vous a accepté d'une certaine façon dans la famille, alors que vous étiez déjà mariée, je veux dire, en couple avec son fils. Hein? Mais avant, elle était têtue sur ce côté-là. D'accord ? D'accord. Alors, elle me dit qu'elle est partie de maladie, hein, je ne sais pas où elle a pas mal aussi, cette personne, Angelina. D'accord ? Elle a mal partout. Je sens son corps. Et puis, des évanouissements comme si elle allait s'évanouir, tomber dans les pommes. Hein ? Elle ne sait pas se poser. D'accord ? Son fils est là avec vous, Marie ? Il est présent, votre... Qu'il vienne, oui. Hein, qu'il vienne. Hein. Qu'il vienne, au contraire, parce que ça le concerne. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Hein, c'est vous qui connaissez mieux votre maman aussi, donc c'est bien aussi d'être présent. Hein, elle vous embrasse, mais elle sait que, je veux dire, même son départ a été difficile aussi pour vous, d'accord ? Elle est en train de me dire... parce qu'on a l'impression qu'elle vous a laissé à une période de vie, vous aviez encore besoin d'elle. D'accord ? Oui, exactement. Besoin d'elle. Hein, hein, voilà, et elle me dit, elle est en train de me dire, je te demande pardon pour beaucoup de choses, parce qu'elle me dit, elle a dû être dure sur certaines choses. Pourtant, c'est pas une femme, je ne veux pas dire que c'est une femme dure à la base, d'accord ? Mais on a l'impression que les circonstances ont fait qu'elle devait être dure. Hein. D'accord, d'accord. Oui, je vous écoute, pardon. Parce que ta vie, sa vie qui était dure. Oui. Qui l'a rendue. Oui, elle sait, mais bien sûr, elle le sait. Et comme elle me disait là avant, elle a été habituée à être comme ça, en fait, d'accord, à ne pas montrer les choses aussi. Et donc, elle a cru aussi que c'était une façon aussi je veux dire, elle me dit, j'ai pas eu d'éducation, j'ai pas été à l'école. Hein, j'ai pas appris, moi je suivais ce que mes parents ce que sa famille lui avait appris, et elle pensait que c'était à bien, d'accord. Elle me dit en fait c'est parce que je t'ai pas donné assez d'amour, je t'ai pas assez consolée, je t'ai pas assez protégée, elle dit. C'est surtout ça. Elle dit il faut que tu arrives à dépasser ça, parce que même moi j'ai eu du mal. Vous voyez, elle me montre en 2017, il y a eu un boom pour elle, il y a eu une évolution pour elle, parce qu'elle a pris conscience que, en fait, cet enfermement, eh bien, ça faisait pas, ça la rendait pas plus heureuse et ça la maintenait pas dans le bonheur. Il fallait qu'elle passe, qu'elle surpasse ça. En fait, aussi elle aussi par rapport à ses parents, par rapport à sa famille aussi. Hein? Et elle me dit, toi, tu as encore cette possibilité sur cette terre de faire un bond, d'avancer. Voilà, tu as une femme magnifique. Voilà, tu as une fille magnifique. Vous avez qu'un enfant Non, un garçon. Un garçon, d'accord.
Pierre, c'est qui Pierre? Je connaissais son frère. Son frère? D'accord. Qui est toujours Qui en est ligne. Hein. toujours vivant? Toujours vivant. D'accord. Mais on a l'impression que Pierre est très fatigué aussi. D'accord? Oui, Hein? Elle exactement. C'est me montre ça, hein, que Pierre est un très handicap. fatigué. Hein? Voilà, elle est en train de me montrer ça. Vous savez, il faut savoir qu'elle est quand même autour de vous, d'accord? Qu'elle, hein, D'accord. Elle me dit dans la famille, on est têtu aussi. Elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Elle Oui, fait comme très, ça. oui, Elle fait comme très. ça. Elle dit, il faut apprendre à ouvrir, à vous ouvrir. Elle dit, il faut apprendre à vous ouvrir. À vous ouvrir à vos enfants, à vos femmes, à ceux que vous aimez. Elle dit, aux animaux, il faut apprendre à s'ouvrir. Hein, moi, j'ai pas eu cette chance, j'ai pas été à l'école. Elle dit, j'ai pas été à l'école, j'ai rien appris. Moi, j'ai appris sur le tas ce qu'on m'a dit et j'ai cru ce qu'on m'a dit. Hein, et j'ai élevé de mon mieux. Moi, du moment que les enfants mangeaient, qu'il y avait un toit sur la tête, pour moi, c'était déjà 100% ça. D'accord? Hein? Il a fallu aussi que vous vous livrez aussi au niveau du monde du travail, elle me montre. Moi, les enfants, s'ils allaient trouver un job, un travail, elle dit pas de job, hein, elle dit un travail, et puis qui gagnaient leur vie honnêtement, mais elle était heureuse, hein, elle me dit. D'accord? Elle me dit ça, c'est mon bonheur, ça, c'est mon bonheur. Mais la cause de tout, le mal de tout, c'est de ne pas être de ne pas avoir, ouvrir son cœur, ne pas ouvrir cet amour. Hein, c'est ça qui guérit toutes les choses, elle dit. Hein, ne vous enfermez pas. Hein, ne mettez pas en cage votre cœur, elle dit. Antoine. C'est vous, Antoine? Qui Antoine, c'est qui Antoine? c'est mon mari et c'est mon fils. D'accord. Mais son mari, je voulais savoir si elle était avec son mari d'ailleurs. Non, ils sont pas encore au même endroit, elle me dit. Hein? Elle D'accord. n'a pas encore. Voilà. Elle attend. En fait, elle me dit, elle attend. D'accord? Alors, attends. Il faut savoir que le purgatoire n'existe pas de l'autre côté. Hein? C'est pas notre purgatoire, c'est nous qui le faisons parce que c'est nous qui n'acceptons pas des choses. D'accord? On n'est pas brûlé. Tout ça, Mais c'est des. Tout ça, c'est des choses pour nous faire peur. Et puis, quelqu'un est venu justement dans ce monde pour élever ses âmes, en fait. D'accord? Mais des fois, on est amené à être dans des endroits où on erre parce qu'on a l'impression. Même les saints, des personnes qui ont fait du bien, elles peuvent errer dans un bas astral en pensant justement parce qu'elles n'ont pas donné assez. D'accord? Jusqu'à ce qu'elles prennent conscience qu'en fait, eh ben, elles ont donné du mieux qu'elles pouvaient. Et votre mère a donné du mieux qu'elle pouvait aussi. D'accord? Elle a pris conscience qu'elle ne pouvait pas faire plus. D'accord. Voilà, elle a donné ce qu'elle pouvait donner. Elle n'avait pas les moyens aussi, hein, de donner plus, elle me dit. Hein? Elle me dit, j'ai pas, j'ai. Elle me dit, c'est pas comme, c'était difficile pour nous. Elle dit, c'était difficile pour nous. Oui, c'est sûr. Hein? La vie n'était pas facile, elle dit. Hein? Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. On avait toujours peur de perdre nos enfants dans une maladie. Donc on soignait, on voyait. Elle vous a fait avaler des choses pas bonnes, monsieur? Parce qu'elle me montre, on a l'impression qu'elle vous fait boire de l'huile ou quelque chose. Non, je n'ai pas souvenir D'accord, hein, on a l'impression qu'elle de. prépare quelque chose, mais ça a un goût d'huile, mais de l'huile un peu poissonneuse. Alors, je ne dirais pas que c'est l'huile de morue ou je sais pas quoi, mais il y a un truc. Ah! D'accord, hein, elle me dit pour avoir des forces, elle disait. Vous avez des questions à lui poser? Vous avez des questions à lui poser? Qui c'est Antoine? Mon fils. Votre fils, voilà. Hein, il revient Antoine. 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 D'accord. Est-ce qu'elle le connaît?
Oui, en fait, ça fait pas longtemps qu'elle a connaissance des enfants, je veux dire, par rapport au lieu qu'elle était. D'accord? Parce qu'elle a erré comme. Alors, je dirais comme le double de la Terre, mais sur un autre plan. D'accord? Où elle refait toujours les mêmes choses. Hein, où elle a l'impression. Où elle cherche, puis après, tout d'un coup, la mémoire n'est pas présente, en fait. D'accord? Et elle sait pas, elle me dit, je ne sais pas combien de temps je suis restée là, elle dit. Hein? Mais. Comme dit le guide, elle est partie depuis un bon moment. Vous aviez besoin d'elle. Hein, vous aviez quoi, une vingtaine d'années, c'est ça, c'est ça? Oui, elle a 18 ans. Quand Hein? 20 ans? elle est partie, elle avait Oui, 18 ans. voilà. Hein? 84. 20 ans, 20 ans. 20 ans? Pardon, vous avez raison, 20 ans. C'est Voilà, 84, il y a voilà. 20 ans. Hein? Et elle est partie à un moment où vous aviez besoin d'elle, elle me dit. D'accord? Vous aviez besoin justement, comment dire, vous aviez besoin d'une mère pour vous consoler, pour avancer, pour. On a l'impression que même c'était difficile avec votre père aussi. D'accord? Elle me montre que c'était pas évident. Hein? Et c'était elle qui arrivait à trouver un compromis avec son mari pour que vous puissiez faire certaines choses. Hein? Et c'est ça qui a été, je veux dire, elle dit. Elle dit, c'est dans les difficultés qu'on avance, mon fils. Est-ce que j'ai été est-ce que j'ai été entre guillemets Oui, elle sait ce que. voulu? Est-ce que j'ai été Désiré. désiré? Elle dit que, elle dit oui. Et sans hésitation, elle dit. D'accord? Vous avez été désiré, alors. Alors, cette grossesse, elle n'est pas forcément, elle s'attendait pas non plus, d'accord? Voilà, hein? Parce qu'elle était déjà d'un certain âge, donc elle me dit, je pensais pas du tout, je veux dire, tomber enceinte, d'accord? Elle me dit, je tombais pas. Mais quand tu es venue, elle dit, je t'ai aimée. D'accord? Ça, c'est vous qui elle dit, ça, c'est toi qui reproches que tu as été, comment dire, non désirée, mal aimée et tout ça. Elle dit non, elle dit. Quand tu es venue, je t'ai aimée, elle dit. D'accord? Hein? Non, non, ce n'est pas envers elle, hein, c'est moi qui me suis toujours demandé, Oui, elle le sait. Elle dit. je me suis excusé de toi, mais pourquoi, enfin, Mis au monde. pourquoi vous m'avez mis au monde, pourquoi je suis venu? Ben parce que Là, votre âme. j'ai fait l'appel, voilà, ça je lui ai dit, je me rappelle que Oui, je lui ai dit ça. d'accord, mais votre âme aussi a choisi les parents aussi, hein? D'accord? Hein? Vous êtes venu faire la surprise, hein, aussi. D'accord? Vous êtes venu faire la surprise, votre âme, elle est venue faire la surprise, même si elle ne s'attendait pas, je veux dire, à avoir un enfant. Votre âme, elle a voulu intégrer et venir. Donc, elle me dit, je n'ai rien fait pour t'avorter ou pour te perdre. Hein? Hein? Si je t'aurais pas voulu, je me serais arrangée, elle dit. Voilà. Donc, je me serais arrangée autrement pour ne pas te garder. D'accord? Elle me dit, mais jamais je n'aurais fait une chose pareille. Hein? Au début, elle n'était pas forcément dans l'acceptation parce que c'était compliqué pour elle. Hein? La vie n'était pas évidente. Mais après, elle me dit, j'ai accepté. Attends, tu es l'enfant de, tu es l'enfant, t'es mon enfant, elle dit. Hein? D'accord. Et elle a une tristesse là quand vous lui dites ça parce qu'elle dit, elle dit, je t'aime, mon fils. Elle dit, je t'aime, mon fils. Je ne te l'ai jamais montré, elle dit, je t'ai même, parce que je ne savais pas montrer aussi. Puis tu étais un garçon aussi avec une grande sensibilité, d'un côté fragile et un côté coléreux, elle dit. Hein, ce n'était pas forcément évident de contrôler tout ça. Je ne savais pas comment te parler aussi. Et toi, tu n'arrivais pas à me parler. On n'arrivait pas à communiquer l'un avec l'autre. Il y avait des moments où c'était bien, puis des moments où la communication ne passait pas forcément. Est-ce qu'elle voit, par rapport à Antoine François, mon fils, Oui. qui a un problème, qui a un problème. La communication ne passe pas. Il y a un problème, voilà. Et oui, Ce parce problème que. revient.
Ben, c'est un peu aussi ce qui s'est passé avec elle et vous maintenant avec votre fils. Hein. Elle dit, il n'y a que l'amour qui peut ouvrir les choses. Mais il veut pas non plus entendre. Hein. Il a besoin de vivre une expérience aussi. C'est son expérience aussi. Elle ne peut pas intervenir de ce côté-là. D'accord? Attendez, parce qu'elle me dit quelque chose. D'accord. Qui c'est qui a 28 ans? C'est votre fils qui a 28 ans? Oui. C'est l'aîné? oui. D'accord, hein. Il n'a pas forcément de bonne fréquentation aussi. Hein? Voilà, ça c'est le guide qui me dit ça. Hein? D'accord, hein? Il croit tout savoir, hein. Il croit tout Oui. savoir, mais à un moment donné, la ville se chargera pour lui montrer qu'il ne sait rien, qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut faire autre chose. D'accord, hein. Alors, il n'écoute pas. On me dit, elle me dit, il n'écoute pas. D'accord, hein. Hein, vous souffrez de ça, en fait, tous les deux, vous souffrez de manque de communication parce que c'était un enfant tellement ouvert. Tellement ouvert, tellement. Mais c'est pas, ça vient pas forcément de vous. D'accord. Le guide me dit que ça ne vient pas de vous, parce que votre maman ne sait pas. Mais mon guide est en train de dire ça ne vient pas de vous. C'est que lui, il a besoin de vivre son expérience. Et de toute façon, que même si vous lui dites eh ben, il faut pas et tout ça, eh ben, il le fait qu'à sa tête. Il fera à sa tête les choses. D'accord. Voilà. Même si c'est dur. Il ne le fera parce qu'il a quelque chose à comprendre de ça. Il recherche en fait un but aussi. Il recherche quelque chose de profond en lui. Et en fait, c'est simple. Hein. C'est que l'ouverture du cœur. Hein. Et ça, c'est dur, c'est compliqué. Votre fille a 24-25 ans, c'est ça? 25 ans? D'accord. Bon, c'est pas du tout la même. Je veux dire, ils sont frères et sœurs, mais c'est pas la même mentalité. Pas du tout. Vous voyez, c'est complètement différent. Autant votre fille va vous donner toute cette compassion, tout cet amour, autant votre fils, c'est plutôt l'autre côté, le côté un peu négatif, en fait. D'accord? Mais, pourquoi il vit ce moment négatif? C'est parce qu'il a des choses à comprendre. Hein? D'accord. Même moi qui suis médium, qui vois les choses et tout ça, même si je dis à mon enfant quelque chose et je lui dis, il ne faut pas que tu suives ça parce que ça, s'il a envie d'expérimenter, il va me dire, oh, au moment, tu me laisses tranquille, j'ai besoin de le vivre. Même s'il se casse la tête, il a besoin de le vivre. C'est ça. Parce que c'est son expérience. Ça, des fois, dans une expérience difficile, ça permet après d'être dans le droit chemin. Mais en même temps, vous étiez là pour nous montrer le bon chemin. Comment? J'ai pas entendu. Je pense que vous étiez là, vos mères, ben, vos parents, pour nous Oui, montrer le bon chemin. bien sûr, mais après, s'ils ne veulent pas entendre, hein, ils sont adultes, hein, ils sont adultes, hein, et on ne peut rien faire, on ne peut pas les ligoter, on ne peut pas les enfermer. D'accord. Je vais couper la vidéo, je reviens vers vous.